Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. À l'entame de cette édition du journal, sachez que le président de la République, son Excellence, Monsieur Idriss Déby Itno, a regagné N'Djamena ce soir en provenance de Ouagadougou. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr. Nouradine Deloua Kassiri Koumakoy, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzobe Paime Debe, quelques membres du gouvernement et du cabinet du président de la République ainsi que du maire de la ville de N'Djamena. Dans la capitale burkinabé, le chef de l'État a participé aux travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel sur l'énergie et au sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la lutte contre le terrorisme. Ce communiqué est signé de la directrice générale adjointe de la communication, Aïcha Khalil Bilal. Je le disais hier, le chef de l'État Idriss Déby Itno a pris part à Ouagadougou aux côtés de ses pairs du G5 Sahel aux travaux du sommet extraordinaire sur les énergies renouvelables sur place pour nous informer, Nasson Auditi. En mettant en place en toute souveraineté le G5 Sahel, les chefs d'État des pays membres n'ambitionnent pas seulement de débarrasser l'espace communautaire des menaces terroristes, mais également d'œuvrer à son intégration économique. L'énergie étant l'alpha et l'oméga de tout développement, le chef de l'État Idriss Déby Itno et ses pairs du G5 Sahel, du Burkina Faso, du Niger, du Mali et de la Mauritanie se sont retrouvés ce 13 septembre autour de leur président en exercice, le président du Faso, Roch Marc Christian Kabore, à l'effet de plancher sur le projet Desert to Power, initié par le président de la Banque africaine du développement, BAD. Pour relever ensemble les défis énergétiques dans l'espace G5 Sahel, Dr. Akouemi Adesina a présenté au chef d'État des pays membres l'initiative Desert to Power. Ce projet de la BAD consiste à exploiter l'énergie solaire pour tirer vers le haut le développement socio-économique de l'espace du G5 Sahel par la mise à disposition de 1100 MW d'énergie solaire d'ici 2030. L'étude de faisabilité du projet coûtera 140 millions de dollars, dont 20 millions sera décaissé par la Banque africaine de développement. On ne peut rien faire dans l'obscurité, il faut l'énergie. L'énergie, c'est juste comme le sang dans le corps. Si vous avez le sang, vous avez la vie. S'il n'y a pas le sang, il n'y a pas la vie. C'est la même chose pour les économies. Donc, l'initiative de Desert à l'énergie, c'est une initiative transformative et je voudrais saluer le leadership de tous les présidents. Mais en temps global, ce n'est pas l'argent même qui compte. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Dieu aime le Sahel. Je travaille ici au Sahel. Tout ce que je suis aujourd'hui, je peux dire 80% de ça, c'est à cause du Sahel. Le président de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel, Roch Marc Christian Kabore, a au nom de ses pairs salué l'initiative de la BAD. Le déficit énergétique est un frein au développement de nos États. C'est pourquoi, en mettant en place cette initiative, qui est de desservir les pays du G5 Sahel en énergie, nous avons apprécié tous positivement l'exposé qui a été fait. Il s'agit pour un certain nombre de pays, 11 pays en l'occurrence, de pouvoir produire près de 10 000 mégawatts d'électricité. Et la priorité a été donnée au G5 Sahel pour plus de 1 000 mégawatts donc, qui seront fournis et qui vont éclairer près de 60 millions de personnes. Le Sahel couvre 10 millions de kilomètres carrés. Dans un proche avenir, son ardent soleil servira à son électrification. Idriss Déby Itno
et ses pairs du G5 Sahel croient à l'aboutissement du dit projet. Sur les 1100 MW dont bénéficiera le G5 Sahel, quelle sera la part du Tchad? En quoi ce projet pourrait l'aider? Voici quelques éléments de réponse avec le directeur général adjoint de l'Agence pour le développement des énergies renouvelables. Suivez. Le Tchad pourra en profiter beaucoup plus, c'est de créer à partir de l'électrification rurale dans ces zones un élan économique et social. C'est développer à partir de l'électricité les marchés locaux, l'agriculture, la santé, l'éducation. Voilà ce que le Tchad doit en profiter. Aussi de cela, ça les permettra aussi au Tchad, qui a déjà présenté pas mal de projets, dont entre autres des études de faisabilité dans le cadre des centrales photovoltaïques à grande ampleur, aussi des projets qui est de l'électrification de 233 villages dans la zone Sahel. Au-delà de cela, aussi des projets qui sont à caractère éolienne et solaire pour l'addiction d'eau potable, pour aussi l'abreuvage des animaux dans la zone Sahel. Donc l'avantage est tellement élevé et l'éclairage aussi de ces villages qui sont écartés des zones dont il y avait un projet de lampadaire solaire qui concerne à peu près 11 provinces du Tchad. Toujours au cours de son séjour à Ouagadougou, le chef de l'État Idriss Déby Itno a accordé une audience au président de la Banque africaine de développement BAD, Akinwumi Adesina, au centre des échanges, le partenariat entre le Tchad et cette institution. À ce propos, je vous invite à suivre le président de la BAD au sorti de l'audience. Nous avons parcouru tous les investissements que nous avons au Tchad et l'état de choses, ils rendent compte pour le président, l'état d'investissement sur plusieurs choses, interconnexion, électricité entre le Tchad et le Cameroun. Nous avons aussi discuté concernant l'irrigation. Le président a le projet 200 000 hectares, l'état de choses au niveau de l'étude de faisabilité pour ça. Et je lui avais aussi donné l'état de choses concernant le projet de Jamaïa, qui est un projet très important au niveau de l'énergie renouvelable. Et aussi, nous avons aussi discuté sur le lycée FI Jamena, l'état de réhabilitation de ça. Et enfin, nous avons discuté aussi sur les situations régionales, surtout sur la situation d'insécurité et comment la BAD peut apporter le financement et l'aide technique pour mobiliser les ressources pour accompagner le pays. Je lui avais dit que la BAD reste prêt pour mobiliser une nouvelle approche d'engagement dans ce sens. Donc, je suis vraiment très satisfait. Restons à Ouagadougou, les travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont ouverts ce midi. C'était en présence d'une dizaine de présidents, dont le chef de l'État Idriss Déby Itno, invité d'honneur de ces assises. Nasson Ouditi. Le Tchad et son président Idriss Déby Itno jouent et continuent de jouer un rôle d'avant-gardiste dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Le président de la République Idriss Déby Itno, dont le leadership et la maestria sont reconnus sur le plan international, est beaucoup sollicité pour ses expériences, orientations et questions à viser dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. C'est le cas ce 14 septembre à Ouagadougou, à l'ouverture des travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO consacré à la lutte contre le terrorisme. Tout a commencé par l'exécution de l'hymne de la CEDEAO suivi de 11 discours. Dans son mot de bienvenue, le président du pays hôte et par ailleurs président du G5 Sahel, Roch Marc-Christian Kabore, déclare qu'aucun pays n'est à l'abri d'attaques terroristes eu égard à ces attaques au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Tchad, tout comme à Grand Bassam en Côte d'Ivoire et au Bénin avec l'enlèvement de deux Français et l'assassinat de leur guide. Ensemble, nous devons réussir car les valeurs auxquelles nous sommes attachés, telles que la démocratie, les droits humains et l'état de droit,
sont plus que l'idéologie réductrice et destructrice que propagent les terroristes. Chiffres à l'appui, le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou, précise que de 2005 à 2019, 2200 attaques terroristes ont été perpétrées avec un compte macabre de 11 500 morts. L'heure est grave, dira le président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État nigérien, Mohamedou Issoufou, qui fait observer une minute de silence en la mémoire des victimes civiles et militaires du terrorisme. Nous assistons à une banalisation de la violence et au règne de la terreur au quotidien, a maltraité le président en exercice de la CEDEAO. Nous devons nous fixer comme objectif politique la sauvegarde de l'intégrité territoriale de nos États, la sauvegarde de nos institutions démocratiques et républicaines et la sécurisation de tous les citoyens ainsi que la protection de leurs biens. Ces objectifs politiques ne peuvent être atteints que si nous encourageons, nous engageons fermement à éradiquer le terrorisme, la piraterie maritime, le crime organisé, les conflits intercommunautaires et le banditisme. Ce sont là nos objectifs stratégiques. Cette rencontre s'ouvre au moment où les attaques terroristes se multiplient dans certains pays membres de la CEDEAO et du G5 Sahel, renchérit pour sa part le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed. L'Union africaine reste convaincue de la nécessité d'une démarche inclusive et holistique, fondée sur la nécessité d'une meilleure appropriation régionale et continentale des initiatives de paix et de sécurité. Les stratégies, les équipements et les modes opératoires de nos forces de défense et de sécurité doivent être adaptés à la menace et prendre en compte les relations à établir avec les populations civiles. Il n'y a pas de lutte efficace contre le fléau du terrorisme et de l'extrémisme violent sans une meilleure prise en compte du besoin de mieux-être des populations. On donnerait ainsi aux communautés locales les moyens de se prendre en charge et d'être moins vulnérables au recrutement dans le terrorisme et les activités criminelles. Docteur Mohamed Ibn Shambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Angela Losada Fernandez, représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, Christophe Bigot, envoyé spécial de la France au Sahel, Gordon Cricket, envoyé spécial de la République fédérale d'Allemagne au Sahel, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères du Maroc, représentant Sa Majesté le Roi, ainsi que les représentants de l'Algérie et des États-Unis d'Amérique ont, au nom de leurs organisations et pays respectifs, promis d'appuyer les pays membres de la CEDEAO et du bassin du lac Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Après la cérémonie officielle d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et leur invité spécial, le président de la République Idriss Déby Itno, se sont retirés à huis clos. Ces sommets extraordinaires a été précédé du Conseil des ministres et de la réunion des experts. C'est dire que la tempête devant emporter le terrorisme dans l'espace CEDEAO et les pays membres du bassin conventionnel s'est levée en terre burkinabé. Et puis la teneur de ce communiqué de presse avant de poursuivre cette édition. L'ambassade du Tchad en Suisse, mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies et des organisations internationales basées à Genève, informe l'opinion nationale de ce qui suit. Après la coordination du groupe des PMA à l'OMC, la présidence du groupe africain, la communauté des ambassadeurs africains à Genève honore à nouveau le Tchad à travers son ambassadeur Ahmad Makaila en l'élevant à la vice-présidence
du comité des candidatures. Ce comité qui travaille en étroite collaboration avec le département des affaires politiques de l'Union africaine s'occupe de la promotion et du positionnement des candidats africains postulant au poste dans le système international. L'ambassadeur Amat Makaila a réitéré l'engagement de son pays à défendre les intérêts et les priorités de l'Afrique et sa détermination à relever collectivement les défis qui se posent en termes de positionnement en Afrique sur la scène internationale. Fait à Genève le 13 septembre 2019 et signé de l'ambassade, mission permanente du Tchad à Genève. Et puis le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Mahamat Orozi Taher, à la tête de son équipe technique, est arrivé à Doba puis à Koumra dans le cadre de sa tournée. Le ministre est allé visiter les aérodromes. Les détails avec Marali Joséphine. Le secrétaire général de la province du Logone oriental, le maire premier adjoint de la ville de Doba, les forces de défense et de sécurité et bien d'autres cadres locaux se sont mobilisés pour souhaiter la cordiale bienvenue au ministre et l'équipe technique qui l'accompagne. Il s'en est suivi une visite de l'aérodrome de Doba. Sur le bureau, c'est le carnet de messages Sinop qui attire l'attention du ministre. Un carnet, selon les techniciens, sert au traitement des informations météorologiques en temps réel. Au parc de la météorologie équipé, le ministre est informé cas par cas du fonctionnement des machines, notamment l'abri météorologique, la girouette, l'agrométéorologie et bien d'autres. Sur la piste d'atterrissage, le ministre se rend compte qu'il y a un travail de fond qui doit se faire afin de donner à cet aérodrome un nouveau visage. Dans la province du Mandou, le gouverneur de la dite province, Lucie Biasumda, le maire de la ville de Koumra, les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives ont également témoigné leur hospitalité à la délégation conduite par le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Mahamat Taher Orozi. Finie cette cérémonie protocolaire, l'équipe s'est rendue à l'aérodrome de Koumra, situé à quelques kilomètres de la ville. Long de 1800 mètres, le ministre se rend à l'évidence. Pas de clôture et la piste est à la merci de bétail. De Doba à Koumra, Mahamat Taher Orozi situe le mobile de son déplacement dans les deux provinces. Pour lui, les plus hautes autorités à travers son département sont engagées à désenclaver les chevaliers de province du pays et cela grâce à la modernisation des aéroports. Mahamat Taher Orozi estime que les résultats obtenus pourront permettre aux chevaliers de province de se rapprocher les uns des autres et partant offrir des opportunités d'affaires. À cet effet, il demande que tous les contours soient étudiés pour redynamiser les structures existantes. Partout où le ministre est passé, des remarques pertinentes ont été faites. Pour lui, les occupations anarchiques du périmètre aéroportuaire, la délocalisation et la sécurité sont les défis qui s'imposent à son ministère. À toutes les préoccupations énumérées, le ministre promet s'investir afin de réduire d'une façon durable les difficultés liées au transport aérien dans notre pays. Une volonté appréciée par les autorités locales et se disent donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'aider le gouvernement à réaliser ses nobles ambitions. Clôture ce matin à l'ENA, École nationale d'administration, de la formation en media training. La formation à mettre à l'initiative du PNUD, de l'ONAMA, du journal Le Pays, d'Electron Télévision et de l'agence Fortuit et qui a permis aux 60 élèves de second cycle de l'ENA d'acquérir en 5 jours des connaissances en technique de communication. C'est le directeur général de l'ENA qui a clos la cérémonie. Le point avec l'HAB, Pabamé Désiré. 16 élèves de l'École nationale d'administration sont désormais outillés en technique de communication, notamment l'acquisition des principales notions de communication, la compréhension des enjeux et défis associés à l'utilisation des réseaux sociaux, mais aussi et surtout à la maîtrise au self-control lors des interventions. Bref, ils sont initiés à la connaissance du fonctionnement des médias en général. Tout en relevant que cette formation entre dans le cadre de la réforme de son institution, le directeur général de l'ENA exhorte les participants à mettre en pratique les enseignements reçus. En organisant ce séminaire, nous nous inscrivons dans la logique de son excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, qui est très attaché à la formation et au perfectionnement du cadre de notre pays. Et celui-ci œuvre inlassablement pour que l'administration tchadienne retrouve toutes ses lettres de noblesse. Vous êtes les futurs décideurs de ce pays. À ce titre, vous devrez avoir une bonne maîtrise de la communication, ses outils et ses différentes subtilités.
ainsi que l'usage que vous allez en faire des subtilités de la communication. C'est d'autant plus vrai que les médias, les organes de médias, en général sont devenus de nos jours des éléments stratégiques pour une bonne administration. Je vous exhorte, à l'issue de cette formation, à en faire un usage de tous les acquis. Les participants qui se disent satisfaits émettent les vœux pour qu'une telle formation se perpétue. La formation que nous venons de suivre en média training, qui s'est déroulée pendant 4 jours, a été d'un grand avantage pour nous. Ça nous a permis d'être en contact avec les médias et savoir qu'est-ce qu'il faut faire et à quel moment le faire. Et nous souhaitons que cette formation-là puisse être perpétuelle à l'ENA pour que toujours, non seulement qu'on l'a suivi en 4 jours, mais nous, que nous puissions encore plus tard suivre ça pour nous permettre de doter les failles qu'on a eues et nous perfectionner au mieux le mieux. Je pense que se familiariser avec les médias, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à communiquer, à beaucoup communiquer au niveau de l'administration par rapport à la politique du gouvernement qu'on doit faire mettre en œuvre. Et donc pour cela, nous devons nous familiariser avec les médias. Cette formation en média training à l'intention des élèves du second cycle de l'ENA est l'œuvre du programme des Nations Unies pour le développement avec l'appui des médias locaux. Parlons politique à présent. Des milliers de militants du PLD ont quitté le parti au profit du MPS. La cérémonie de ralliement de ces militants a eu lieu au palais du 15 janvier et a été présidée par le secrétaire général, deuxième adjoint du MPS, Aziz Mohamed Saleh. Reportage Adef Ahmad Benrama. À l'unanimité et sans condition, les militants du Parti pour les libertés et le développement PLD ont décidé de quitter leur formation politique pour rallier le mouvement patriotique du salut. Ils sont des milliers de militants issus des 78 villages, principalement du canton Konyéré, du Wadaï géographique. L'événement qui a vu la présence des membres du Bureau politique national est placé sous le haut patronage du secrétaire général, deuxième adjoint du MPS, Aziz Mohamed Saleh. À l'unisson, ces militants ont déposé leur carte d'adhésion au PLD, quittant ainsi définitivement ce parti. Ils ont été accueillis à bras ouverts par la hiérarchie du mouvement patriotique du salut, fortement mobilisé. À l'entame, le porte-parole du MPS et membre du Bureau politique national, Hassan Sila Bakari, a salué la maturité politique de ces militants avant de les rassurer de la bonne foi du parti. Au-delà du simple fait de partager ensemble ces moments symboliques, il s'agit aussi bien pour les militants du mouvement patriotique du salut que pour les frères et sœurs qui nous rejoignent en ce lieu de se féliciter de ces véritables retrouvailles historiques tirées des plus profondes d'une affinité. De fait, qui aurait cru un seul instant qu'en cet espace où nous sommes aussi assis aujourd'hui, côte à côte, dans cette ambiance survoltée, des militants des deux bords politiques hier, tiraillés par une adversité excessive, se congratuler, se fraterniser et surtout échanger les plus beaux sourires du monde. Au nom de ses camarades du canton Konyéré, Tidjani Ibrahim a témoigné son sincère ralliement au MPS. Ses militants disent être déçus par les dirigeants de leur ex-parti, le PLD, qui ne véhicule que le message d'incitation à la haine et à la division. Pour Tidjani Ibrahim, la seule voie du salut est le MPS dont il magnifie la vision éclairée de son président fondateur, Idriss Déby Itno. Un avis largement partagé par la représentante des femmes, Arafa Tahir. Tous ont manifesté leur indéfectible engagement et soutien au président de la République dans tous ses efforts en faveur de la paix et de la cohabitation pacifique. Une préoccupation qui traduit bien le sens du thème de l'événement qui est « Ensemble pour la paix, le développement et la cohabitation pacifique au Tchad ». Au
Officiant la cérémonie, le secrétaire général de deuxième adjoint du MPS a salué la mobilisation de ces nouveaux militants du MPS et les ratios de l'attention du bureau politique national. Suivez. Le MPS est un parti vivant. Le MPS est un mouvement perpétuel, un mouvement qui avance, un mouvement qui gagne. Je dis bravo au comité d'organisation et bravo à tous les parents, les chefs de village, les chefs de canton, les femmes et les filles du canton Konyélé qui aujourd'hui nous rejoignent le mouvement patriotique du salut. Je leur dis bonne arrivée et ils y sont chez eux. Au MPS, il n'y a pas de militants de première ni de deuxième heure. Nous sommes militants et nous sommes militants engagés. Parce que nous sommes le parti au pouvoir. Et que quand on est parti au pouvoir, on le démontre. Vous l'avez démontré aujourd'hui ici que vous êtes un seul homme et une seule femme. Et que vous êtes debout pour affronter les échéances électorales futures. Ces rencontres aujourd'hui, c'est aussi pour dire oui à la paix, oui à la cohabitation pacifique, non aux gens qui veulent détruire notre pays. Parce que le mouvement patriotique du salut, plus que tous les autres partis, sait ce que vaut la paix. Il sait le prix du sang qui a été payé pour qu'aujourd'hui, nous soyons aujourd'hui en paix. Que nous ayons une démocratie qui soit ouverte et que nous exigeons à ce que cet état d'urgence puisse ramener la paix dans les provinces où il y a eu malheureusement des conflits. Merci. Nous disons non. Non, et une fois de plus, non à ces conflits intercommunautaires. Et je suis persuadé que cet exemple du canton Konyélé vient dire oui à la paix, oui à la cohabitation. Le camarade président fondateur du MPS a toujours, et le premier, voulu que tous les Tchadiens vivent en paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Parce que sans la paix, il n'y a pas d'élection. Parce que sans la paix, il n'y a pas de parti politique. Nous allons vers les élections législatives et communales. Le camarade président, garant du processus, a reçu la CENI et le CNDP. Des orientations claires ont été données. On va aux élections et on va au plus vite aux élections. Je voudrais ici dire du haut de cette tribune que le MPS est prêt. Le MPS est prêt à ce combat politique pour aller gagner les élections législatives et communales. Et nous les gagnerons haut la main. Je demande à ce que les militantes et militants dans toutes les provinces se préparent. Ils se préparent à travers des messages de paix, à travers des messages de sensibilisation à la cohabitation pacifique et aussi pour que les gens soient en ordre serré. Au moment de la 4e République, le MPS doit montrer l'exemple. Le MPS doit être le parti, les militants du MPS doivent être exempts de tout reproche. Et puis l'Ordre national des techniciens de l'élevage du Tchad a tenu jeudi dernier son assemblée générale. Une assemblée générale relative à la mise en place des membres du bureau. On en sait plus avec Damgué Linné-Joël. Améliorer le potentiel de l'élevage au Tchad, c'est le souci qui a guidé les acteurs de ce secteur à tenir ces assises. Assises au cours desquelles ils ont mis sur pied un ordre qui désormais les réunit. L'Ordre national des techniciens de l'élevage du Tchad vient renforcer les orientations de la politique du gouvernement en matière de santé et de production animale. Longtemps considéré comme l'une des mamelles de l'économie du pays, l'élevage joue un rôle important et constitue un moyen de vivre pour plus de 40% de la population rurale. Pour le président du comité d'organisation Sind Dama, le Tchad est un pays d'élevage par excellence avec plus de 114 millions de têtes. Ces chiffres font face à 548 techniciens, soit un technicien pour 210 000 têtes de bétail, toutes espèces confondues. Au regard de ces potentialités économiques considérables, un cadrage et une organisation profonde des techniciens de l'élevage s'imposent selon lui pour le développement de ce secteur qui se veut compétitif sur la scène internationale. Le cheptel, comme vous l'avez dit, a une valeur estimé à plus de 13 000 milliards de francs CFA et contribue pour plus de 30% des exportations hors pétrole.
Cet élevage contribue donc fortement à la lutte contre la pauvreté, tout en constituant un potentiel en matière de garantie de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les techniciens que vous êtes constituent donc un des maillons importants et essentiels pour la valorisation de cet important. Par un vote, le tout premier bureau de l'Ordre national des techniciens de l'élevage du Tchad, l'une des belles initiatives productrices de ce ministère, est officiellement mis sur place. Et c'est Ngarle Mbaye Théophile qui présidera à la destinée de ce tout premier bureau de l'Ordre national des techniciens de l'élevage du Tchad. La caravane dénommée « Ma fille va à l'école » se poursuit dans la ville de N'Djamena. Hier encore, les membres de l'association Voix de la Femme se sont rendus dans le 4e et le 6e arrondissement pour sensibiliser les parents à amener leur fille à l'école. Diano Dinestor. Les filles vont à l'école dans le 4e arrondissement, certes, mais pour conscientiser davantage les parents à s'intéresser sur l'éducation des filles, l'association Voix de la Femme a tenu cette rencontre avec les autorités communales et les responsables des familles. Autonomiser la femme tchadienne et inciter la petite fille à porter sa voix, à aller vers ses rêves malgré les difficultés qu'elle va rencontrer. C'est une lutte commune, affirme la présidente de l'association Voix de la Femme, Amira Tidjani. Pour l'année scolaire 2019-2020 qui se pointe à l'horizon, les participants à cette caravane ont promis faire large sensibilisation dans les quartiers et carrés pour que toutes les filles partent à l'école. Après le 4e arrondissement, cap est mis sur le 6e arrondissement. Ici, les représentants des associations de la société civile, ceux de l'alphabétisation et bien d'autres ONG se sont immiscés dans le débat. Tous étaient d'avis que les filles doivent continuer les études pour sauver le Tchad. Pour la réussite de cette caravane, les parents doivent être debout comme un seul homme pour combattre la déscolarisation des filles, à marteler l'autorité communale. Pour ce faire, il faut passer le message de porte en porte. Cette présence remarquable traduit non seulement la place que l'éducation occupe dans nos visions et nos actions, et aussi dans la politique du gouvernement prônée par son excellence le président de la République. Très satisfaits de ces assises, les participants ont promis rapporter le message, celui d'aider les filles à aller à l'école. Deux présumés malfrats opérant dans la province du Wadaï ont été présentés à la population de la ville d'Abéché par le gouverneur de la dite province Ramadan Erdebou. Ces deux malfrats sont spécialisés dans le vol de véhicules des ONG. On en sait plus avec Jido Mohamed Barka. Informé de l'opération, le gouverneur de la province du Wadaï, Ramadan Erdebou, a mobilisé la force de défense et de sécurité qui a pu mettre la main sur ces derniers ce samedi. Aussitôt arrivés, ces brigands ont commencé à dépiécer le véhicule et en même temps, ils ont mis de la peinture sur le logo de l'ONG. Ramadan Erdebou a remercié les forces de défense et de sécurité pour la vigilance d'abord avant de l'exhorter à maintenir le cap pour décourager tous les fauteurs de troubles. Le premier substitut du procureur de la République, Aluna Vamangambi Emmanuel, a relevé que ces voleurs répondront de leurs actes devant la justice et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Le coordonnateur du projet gestion des eaux de ruissellement dans le Tchad sahélien de l'ONG GIZ, Clotus Degbovoivi, a reconnu l'effort des autorités locales et les hommes en charge de la sécurité. Le gouverneur Ramadan Erdebou a présenté ce brigand au grand public à la place de l'indépendance d'Abéché pour dissuader tout ce qui tenterait à mettre en mal la quiétude de la population. Des livres, du matériel de sonorisation et d'autres équipements ont été remis par la coordination de collecte des livres pour le Bata aux autorités locales. Les détails avec Mama Taïr de Buenalour. Créé à l'initiative de quelques jeunes ressortissants de la province du Bata, la coordination des collectes des livres pour les Bata, appuyée par un comité de volontaires d'action au bénéfice de la dite province, remet officiellement les fruits de ces actions de collecte lancées en N'Djamena le 15 août 2018. Il s'agit de 2000 livres, 827 journaux et magazines destinés aux élèves du Bata. Ajoutez à cela des matériels de sonorisation, des tables, des chaises pour équiper les salles de lecture, ainsi que des étagères
pour la maison des jeunes d'Oum Hadjer et les claques d'Ati par cette œuvre sociale. Les initiateurs, à travers le chef de la délégation venue d'Ngamena, Samira Al-Khali, disent qu'ils souhaitent impulser la lecture et la culture dans le Bata. Nous, membres de la coordination, lançons un appel aux autorités et responsables administratifs d'initier des activités éducatives et culturelles afin d'encourager les jeunes à la pratique de la lecture dans la province. J'ose croire que les livres collectés serviront bien évidemment à redonner goût à la lecture dans la province du Bata. En recevant ce don, le gouverneur de la province du Bata, Aliou Adoum Abdoulaye, a apprécié ce geste à sa juste valeur et a souhaité une utilisation à bon escient de ces dons. À Bol, chef-lieu de la province du Lac, le nouveau chef de station de l'Office national des médias audiovisuels, ONAMA, a été installé ce matin. C'était en présence du directeur général de l'ONAMA, Boukar Sanga, et de plusieurs autres personnalités, Youssouf Abderrahmane Aligad. À la tête de la station provinciale de l'ONRTV du Lac, devenue ONAMA, Abderrahmane Adoum Rahma cède de son fauteuil à Brahim Boumi, le nouveau chef de la station provinciale du Lac, nommé au terme du décret 11-15 du 31 juillet 2019, en présence du directeur général de l'Office national des médias audiovisuels, Boukar Sanga, accompagné du directeur des ressources humaines de l'ONAMA ainsi que le directeur technique de la RNT. Le directeur général de l'ONAMA demande au nouveau chef de la station ONAMA du Lac de travailler efficacement pour rendre la station provinciale un outil de développement pour accompagner la politique du gouvernement. Notre mission consiste également à faire l'état des lieux de la station provinciale pour nous permettre de voir avec précision les attentes de la population du Lac dans son ensemble. Comme vous le savez, l'Office national des médias audiovisuels a été créé sur les cendres de l'Office national des radiodiffusions et télévision ONRTV. Ce changement s'inscrit dans le cadre de la nouvelle vision que les plus hautes autorités de la République ont des médias publics. Il s'agit de rendre la radio et la télévision beaucoup plus performantes, beaucoup plus compétitives, et disposé à accompagner les actions et les initiatives de développement. Pour ce faire, la mission d'une station provinciale n'est pas simplement d'accompagner ou bien d'approvisionner le news, c'est-à-dire le journal, par des éléments de reportage. Très souvent, les stations provinciales s'occupent des reportages, des activités des autorités administratives, de la mairie. Mais la mission beaucoup plus importante que celle-là, c'est de produire des émissions, des documentaires sur la province. La station provinciale va beaucoup plus être orientée vers ces actions parce qu'aujourd'hui, pour vendre l'image du Tchad, il faut vendre l'image du Lac. Il faut montrer qu'au Lac, il y a la paix. Il faut montrer qu'au Lac, il y a la sécurité. Il faut montrer qu'au Lac, les gens participent au développement socio-économique. Abderrahmane Adoum Rahma dresse un bilan qualifié de positif depuis qu'il est à la tête de cette structure, tout en appelant aux proches collaborateurs d'aider le nouveau chef de la station dans l'accomplissement de sa noble mission. En installant officiellement le nouveau chef de la station provinciale du Lac dans ses fonctions, le préfet du département de Mamdi, Hassan Abderrahmane Hagar, représentant le gouverneur de la province du Lac, a rappelé que la communication est au centre de la politique du développement socio-économique du chef de l'État. En vertu du pouvoir qui me sont conférés, je déclare installer le nommé chef de service de la station provinciale de l'ONAMA et le renvoie à l'exercice de ses fonctions. Le nouveau chef de la station provinciale de l'ONAMA du Lac a promis de travailler pour rendre visible la richesse culturelle et économique de la province. Je voudrais d'abord dire à mon collègue sortant que il n'y a rien de plus beau dans ce monde qu'un travail bien fait. Il a fait ce qu'il pouvait. On fera tout pour que la station ait son studio.
Beaucoup de défis restent à relever pour le nouveau chef de la station, c'est d'imprimer une nouvelle vision pour rendre opérationnelle la station afin de mieux informer la population du lac. Deux magistrats de la province du Bahr-el-Ghazal ont prêté serment la semaine dernière, une cérémonie qui s'est déroulée en présence du secrétaire général de la dite province, Ali Youssouf Kella, représentant le gouverneur Amat Ali Daladou. Toutes nos excuses, chers téléspectateurs, parlons à présent du lancement du projet d'appui à la gestion et à la protection du complexe transfrontalier d'air protégé binational Sena-Oura au Tchad et Boubanjoda au Cameroun. C'est à la faveur d'un atelier qui a eu lieu à Pala. Parfait Ndo Dangsu. C'est aujourd'hui qu'il faut agir car demain sera trop tard. C'est le maître mot de ce projet dont les activités sont officiellement lancées et ce, pour appuyer les actions de gestion et de protection du complexe d'air protégé binational BSB Yamoussa à cheval entre le Tchad et le Cameroun. Madanga Gamgasu, de la direction de la conservation des faunes et des aires protégées, représentant son ministre des tutelles, affirme que l'apport du WCS permettra d'assurer la protection à long terme des ressources naturelles mises en défense. L'objectif de ce projet est d'assurer la conservation à long terme de la riche diversité biologique, l'intégrité et le service écologique du complexe transfrontalier d'Est de Yamoussa à travers la restauration et le développement des systèmes de surveillance et de contrôle permettant une protection efficace par les autorités en charge des aires protégées. Dans une vingtaine de pays d'Afrique, Wildlife Conservation Society, à travers le présent projet, aidera entre autres à la gestion de la faune et de l'habitat naturel et influencera les politiques gouvernementales de développement, devrait expliquer l'un après l'autre Roger Fotso, directeur national du WCS, et Paul Bourg, directeur du projet WCS-BSB, à la cinquantaine de participants. Pour le préfet du Mayo-Dala Kelo Aïm, l'initiative vient donner un coup de pouce à la politique déjà enclenchée par le gouvernement du Tchad. Pour notre part, nous prenons l'engagement au nom du gouvernement de la 4e République de soutenir les efforts du projet WCS et serons très attentifs pour l'accompagner dans sa noble mission. Inscrit sur le long terme, la première phase du projet durera 4 ans. Elle est financée à hauteur de 10 millions d'euros, soit un peu plus de 6,5 milliards de francs CFA. La cybercriminalité, le sujet est au centre d'un atelier de formation organisé par Boston Solux, le dit séminaire cible, les informaticiens des institutions publiques et privées de la capitale. Varelaji. Les informaticiens des institutions publiques et ceux des entreprises de la place sont outillés en cybercriminalité. Une formation dont l'objectif est de permettre aux bénéficiaires de faire face aux attaques des pirates informatiques. Les experts de Boston Solus apportent aux institutions publiques, financières et aux entreprises des solutions adaptées, innovantes et performantes à leurs problèmes informatiques et de management. Pour le formateur, les données informatiques sont menacées par des attaques des pirates, d'où l'intérêt de cette formation en cybercriminalité est indispensable. Nous avons déjà 200 milliards de machines connectées partout dans le monde et la cybercriminalité, déjà les compagnies perdent environ 150 millions de dollars. Donc c'est une menace que vraiment on doit combattre. Une formation que les bénéficiaires apprécient à sa juste valeur. Dès que j'ai eu l'annonce qu'il y a une formation dans ce sens qui parle de la sécurité, je n'ai même pas hésité une seconde à inscrire un de mes collègues et moi-même à connaître déjà les techniques utilisées par les attaquants, les hackers, pour connaître déjà ces techniques pour mettre en place des systèmes pour les bloquer. Outillés en cybercriminalité, certes, occasion pour les participants de solliciter la pérennisation de cette formation pour le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont les outils indispensables pour le développement d'une bonne entreprise. Les soubresauts d'un esprit cassé, c'est le titre du livre que l'écrivain Mounoné Bienpambé a présenté hier au CFOD. Gongar Emmanuel nous en parle. Soubresauts d'un esprit cassé est le titre du roman écrit par Mounoné Bienpambé. Un récit théâtral qui relate les conflits familiaux, la pauvreté et aussi la tradition. À travers ses écrits,
l'auteur invite les chefs de famille animés de mépris vis-à-vis de leurs membres à privilégier le dialogue. Outre, l'ouvrage dénonce également les réalités d'une tradition tchadienne engluée dans les controverses. C'est ce que Mounenin qualifie de dictature familiale. Comment la société traditionnelle tourne? L'homme est le chef de la famille, il a le droit de vie et de mort pour tous les membres. Au nom de la tradition, on doit faire ça. Au nom de la tradition, la femme doit faire ça. Même quelquefois, quand c'est des réalités qu'il fallait combattre, on se laisse faire parce que c'est la tradition. Donc il va falloir qu'il y ait un début, qu'il y ait des gens qui puissent arriver à dire la réalité sur cette vision illusoire du monde. Au nom de la tradition, la femme doit faire ceci. Au nom de la tradition, les enfants doivent faire ceci. Mais si il n'y a pas en fait de dénonciation par rapport à la sensibilisation, par rapport aux écrits, cela va rester toujours statique. Publié à l'édition Ifriqiya au Cameroun, Soubresaut d'un esprit cassé est le premier livre écrit par Mounenin Bienpambé. L'écrivain est agronome de formation. Outre ses activités agronomiques, il est réalisateur des bandes dessinées, essayiste et auteur de fiction. Une autre présentation de livre, celle de Maître Simon Anda Keizou, qui a écrit La légende des apatrides. C'était ce matin au CFOD. Mamad Ouma Moussala. La légende des apatrides est le titre d'un livre poétique écrit par Maître Simon Anda Keizou. Ce livre compte 119 pages subdivisées en 44 poèmes. Il est paru aux éditions Edit Livres à Paris, en France. Dans ce livre, l'écrivain a insisté sur l'histoire du peuple, la République volée, le maître du désert, le baril qui ivre et la marche de l'histoire. Les juristes rompus justifient les choix portés sur la légende des apatrides. La légende, c'est une histoire, l'histoire qui est passée dans la mémoire collective. C'est notre histoire en fait. Et un apatride, quand on le définit, c'est quelqu'un qui n'a pas de patrie. Mais je ne parle pas de cet apatride juridique. Mais je parle de gens, de citoyens qui sont là, mais qui se considèrent comme étant victimes d'une injustice. Selon l'écrivain, son livre, qui compte 5 mouvements majeurs, décrit la réalité du pays. Bref, il vise un objectif réel pour le développement du pays. Sensibiliser les citoyens à travers la poésie pour que les Tchadiens puissent prendre conscience et qu'ils aiment leur pays et qu'on se mette au travail. Il n'y a que le travail qui peut nous émanciper, qui peut nous rendre libres. Maître Simon Andegeisi Vadandi est né vers 1959 à Léo Mbaya, dans la province du Mayo-Kébi-Est. Il a poursuivi ses études primaires et secondaires dans sa province afin d'être admis en 1981 à l'École nationale d'administration et de la magistrature ENAM. Il a dédié ses livres à ses camarades dont ils ont passé leurs études secondaires et supérieures, parmi lesquels le défunt Maître Béchir Madeu. Volet culture, toujours l'artiste musicien Jonadi Gas David a animé une conférence de presse ce matin dans un restaurant de la place Objectif, lancé son 4e album. Falandi Soulban. L'artiste musicien Jonadi alias Gas David revient dans les bacs. Cette fois-ci, c'est avec un nouvel album de 8 titres intitulé Amerdeur. L'artiste Gas David justifie le concept de l'album. Les Amerdeurs ici, c'est le dérivé d'une de mes chansons intitulée Tapedo dans le 3e album. Donc vous savez que quand vous êtes en partenariat de vie conjugale, soit vous êtes fiancé, vous êtes marié ou soit vous êtes des amis, il y a toujours des gens qui sont là pour venir vous taper dos. Donc voilà les amerdeurs, première version. Et Takemel, ça c'est le comportement des partenaires toujours. Tout ce que la femme fait, l'homme considère toujours qu'il y a des insuffisances. Tout ce que l'homme fait, la femme trouve qu'il y a aussi des insuffisances. Et le 4e titre, c'est Maraban. Maraban, c'est, à mon niveau, c'est le titre phare même de l'album parce que c'est adapté au contexte de l'événement qui prévaut dans ces pays. La cohabitation pacifique. Selon l'artiste musicien, ce nouvel album est une invite à la cohabitation pacifique, la cohésion sociale entre les Tchadiens. Les journalistes ont saisi cette occasion pour savoir quels sont les projets après la sortie de l'album ou encore a-t-il reçu un financement pour la production de cet album.
répondant aux préoccupations des hommes des médias, Ngas David relève que c'est sur fond propre qu'il a produit l'album. S'agissant des projets, le conférencier souligne qu'il envisage des tournées et des séries de concerts pour la promotion de l'album. Le nouvel album de Ngas David, intitulé Les Emmerdeurs, coûte 5000 francs CFA l'unité. L'Institut français du Tchad IFT prépare sa rentrée 2020 afin de dévoiler son plan d'action pour la prochaine année. Les responsables de cette structure internationale de promotion de la culture ont convié les journalistes à une conférence de presse. Mariama Hassana Hissène nous en dit plus. À peine une saison achevée, une nouvelle s'annonce pour l'Institut français du Tchad avec des nouveaux projets et une nouvelle équipe. Prévu pour mi-septembre 2019, l'Institut se transforme et continuera de le faire en 2020 pour mieux accueillir le public, soutenir la jeune création tchadienne par la formation professionnelle et contribuer à la constitution d'une scène artistique à l'échelle internationale. Par la suite, donc, effectivement, l'autre aspect, c'est tout ce qui concerne la production culturelle et les contenus qu'on mettra en valeur dans le cadre de l'Institut. Et là, je sais qu'il y a déjà une programmation très riche dans l'ensemble des domaines, hein, que ce soit la danse, le cinéma, le livre. Et on va essayer aussi dans l'année à venir à développer tout cela davantage et à s'ouvrir aussi davantage sur les publics tchadiens. Valoriser la culture et créer un climat de brassage entre les autres centres existants, cette saison a pour ambition d'ouvrir portes et fenêtres sur de nouvelles expériences artistiques, des débats d'idées, la recherche et l'éclosion de nouveaux talents. Sachez également que l'Association pour le développement de l'espace vert et social a procédé ce matin à une opération de mise en terre de 100 plants au lycée de la Liberté. Le coup d'envoi a été donné par le président de cette association, Ahmad Souleyman Ben Malik, en présence des autorités de la commune du 4e arrondissement. Cette action, selon les responsables de la dite association, s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement en matière de protection de l'environnement. À cette occasion, l'Association pour le développement de l'espace vert et social a décerné une attestation de reconnaissance au ministre de l'Environnement pour ses efforts dans la lutte contre l'avancée du désert. Ligue des champions de la Confédération africaine de football, CAF Tout-Puissant et l'Export, reçoit ce dimanche le champion en titre, l'Espérance sportive de Tunis, en match aller. Kandouba Théophile nous en parle. Après l'élimination des Sao Senior au préliminaire du championnat d'Afrique des Nations CHAN et de la Coupe du Monde de 2020 prévue à Qatar, les mordus du ballon rond tchadien se tournent vers le club tout-puissant Elek Sport qui continue son aventure en Ligue des champions de la CAF. Tombeur des Gabonais du cercle Mberi Sportif de Libreville, les jaunes et noirs défieront l'Espérance sportive de Tunis. Détenteur du trophée de cette compétition de la CAF, le club de la capitale tunisienne, qui n'est plus à présenter à la faveur des pronostics. Cependant, le staff technique du tout-puissant Elek Sport croit à sa chance de qualification. Je pense qu'eux, ils sont champions et on prépare ça bien. Et mon équipe est très jeune et on a mis notre tactique. Et le jour J, vous allez constater que nous aussi, on peut faire des surprises. Avis partagé par les joueurs qui affirment que la balle est ronde pour les deux équipes. Selon notre travail. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmation.